Technically, you cannot go faster than the speed of light, but space can travel faster than the speed of light. They've figured something that crazy out? It's kind of game. Certain altitude, you can go supersonic. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. If this is possible, the amount of energy required to warp space is so gigantic, it boggles the mind. Converting matter to energy at a rate that is... we cannot conceive, really. But I think he's legit. Like, everything I've looked at, it's like this guy actually made this thing which could totally revolutionize the world. Their concept of propulsion, that almost like space would be flat, you would fold space over, and you would intersect those two points, and you would be able to travel vast distances instantaneously. Dans une annonce sans précédent, Elon Musk a dévoilé le nouveau moteur à vitesse de lumière révolutionnaire de SpaceX, une merveille technologique qui remet en question notre compréhension de la physique telle que nous la connaissons. Le monde de l'exploration spatiale est à l'aube d'une nouvelle ère, car ce moteur innovant promet de révolutionner notre façon de voyager à travers le cosmos. Aujourd'hui, nous plongeons dans les détails de cette invention remarquable et ses implications pour l'avenir de l'humanité parmi les étoiles. Le nouveau moteur à vitesse de lumière, baptisé Photon Drive, est conçu pour propulser les vaisseaux spatiaux à des vitesses auparavant jugées impossibles. Ce moteur utilise une combinaison de techniques de propulsion avancées, y compris des champs électromagnétiques, et de la manipulation quantique pour atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Mais comment cela fonctionne-t-il et que signifie-t-il pour les voyages interstellaires? Au cœur du Photon Drive se trouvent les principes de la propulsion par photon. Contrairement aux moteurs de fusée traditionnels qui reposent sur des réactions chimiques pour produire une poussée, ce moteur émet des faisceaux de photons, des particules de lumière, qui créent de la propulsion par transfert de momentum. À mesure que les photons sont émis, ils poussent contre le vaisseau spatial, lui permettant d'accélérer à des vitesses incroyables. Cette méthode de propulsion représente un bond en avant significatif dans la technologie des voyages spatiaux. L'un des aspects les plus passionnants du Photon Drive est sa capacité à fonctionner dans le vide de l'espace. Les systèmes de propulsion traditionnels font face à des limitations significatives dans l'environnement hostile de l'espace. Cependant, comme les photons ne nécessitent pas de milieu pour voyager, le Photon Drive peut fonctionner efficacement, quelles que soient les conditions environnantes. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration de l'espace lointain, permettant à l'humanité d'atteindre des systèmes stellaires éloignés en une fraction du temps nécessaire avec la technologie actuelle. L'ingénierie derrière le Photon Drive est tout aussi impressionnante. L'équipe de scientifiques et d'ingénieurs de SpaceX a travaillé sans relâche pour perfectionner le design, intégrant des matériaux et des technologies à la pointe. Le moteur utilise des matériaux supraconducteurs qui minimisent les pertes d'énergie et maximisent l'efficacité. En fonctionnant à des températures extrêmement basses, ces matériaux permettent au moteur de capter de l'énergie de manière auparavant jugée impossible. En plus de ses capacités de propulsion, le Photon Drive intègre des systèmes de navigation avancés qui utilisent des données en temps réel pour ajuster la trajectoire du vaisseau spatial. Cela est crucial lors de voyages à de telles vitesses, car même la plus petite déviation peut entraîner des conséquences catastrophiques. Le système de navigation repose sur une combinaison d'intelligence artificielle et d'algorithmes sophistiqués, permettant des corrections de trajectoire précises et optimisant le voyage. La vision de Musk pour le Photon Drive va au-delà de la simple propulsion. Il envisage un avenir où l'humanité pourra explorer non seulement notre système solaire, mais également des systèmes stellaires voisins. Avec ce moteur, les missions vers des exoplanètes à notre portée deviennent une réalité tangible. Imaginez une mission habitée vers Proxima Centauri, notre voisin stellaire le plus proche, prenant seulement quelques années au lieu de plusieurs décennies. Ce potentiel révolutionne notre approche de l'exploration et de la colonisation spatiale. De plus, les implications du Photon Drive vont au-delà de la découverte scientifique. La technologie a le potentiel d'impact divers secteurs sur Terre, des télécommunications à la production d'énergie. Les principes de la propulsion par photon pourraient être adaptés pour une utilisation dans des satellites, améliorant leur capacité et prolongeant leur durée de vie. En outre, la nature économe en énergie du Photon Drive
pourrait conduire à des avancées dans les technologies d'énergie renouvelable, ouvrant la voie à un avenir durable sur notre planète d'origine. Bien sûr, une telle technologie révolutionnaire n'est pas sans défi. Le développement du photon drive soulève d'importantes questions concernant la sécurité, les exigences énergétiques et les effets potentiels de voyager à la vitesse de la lumière. Musk a abordé ces préoccupations en mettant l'accent sur les processus de test et de validation rigoureux que SpaceX entreprendra avant de lancer toute mission. La sécurité de l'équipage et du vaisseau spatial est primordiale. SpaceX s'engage à réaliser des simulations et des tests approfondis pour garantir que le Photon Drive peut résister aux rigueurs des voyages à grande vitesse. De plus, la société explore des mesures de protection pour préserver les astronautes d'une éventuelle exposition aux radiations lors de vols de longue durée. Alors que nous nous aventurons plus loin dans l'inconnu, relever ces défis sera crucial pour le succès des missions futures. Les exigences énergétiques posent également un obstacle significatif. Atteindre et maintenir des voyages à la vitesse de la lumière nécessite une immense quantité d'énergie. SpaceX recherche activement des sources d'énergie avancées, notamment la fusion et la propulsion par antimatière, pour répondre à ces demandes. En développant des solutions énergétiques efficaces, le Photon Drive pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de voyages spatiaux durables. Les implications théoriques du Photon Drive invitent également à un examen critique. Pouvons-nous vraiment défier les lois de la physique? Selon la théorie de la relativité d'Einstein, à mesure qu'un objet s'approche de la vitesse de la lumière, sa masse augmente, nécessitant de plus en plus d'énergie pour accélérer davantage. Cependant, Musk et son équipe pensent qu'à travers une ingénierie innovante et des technologies avancées, ils peuvent atténuer ces effets, ouvrant la voie à des voyages pratiques à la vitesse de la lumière. Alors que l'excitation autour du Photon Drive grandit, les spéculations sur ses applications potentielles augmentent également. Le moteur pourrait permettre l'établissement de colonies humaines sur d'autres planètes, favorisant la croissance d'une civilisation multiplanétaire. En rendant les voyages interstellaires réalisables, la vision de Musk s'aligne sur son objectif à long terme d'assurer la survie de l'humanité au-delà de la Terre. Dans un avenir où les voyages spatiaux sont accessibles, les possibilités d'exploration et de découverte sont illimitées. Imaginez un temps où les humains peuvent visiter des mondes lointains, mener des recherches et peut-être même rencontrer des formes de vie extraterrestres. Le Photon Drive pourrait être la clé pour déverrouiller les mystères de l'univers et élargir nos horizons au-delà de nos rêves les plus fous. De plus, les implications sociétales d'une telle technologie ne peuvent être ignorées. À mesure que l'humanité devient une espèce multiplanétaire, nous devons réfléchir aux considérations éthiques concernant la colonisation, l'allocation des ressources et la préservation des environnements extraterrestres. Engager des discussions réfléchies sur nos responsabilités en tant qu'explorateurs sera essentiel pour garantir que nous abordons le cosmos avec respect et soin. L'annonce de Musk a déjà suscité de l'enthousiasme au sein de la communauté scientifique. Des chercheurs de divers domaines sont impatients de collaborer avec SpaceX pour explorer les possibilités du Photon Drive. Cette collaboration pourrait aboutir à des percées qui dépassent les voyages spatiaux, bénéficiant à d'autres domaines de la science et de la technologie. Le Photon Drive a également captivé l'imagination du public. Les passionnés et les aspirants voyageurs spatiaux envisagent un avenir où les voyages interstellaires deviennent une réalité. À mesure que l'intérêt pour l'exploration spatiale continue de croître, le potentiel d'inspirer la prochaine génération de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs augmente également. L'engagement du public est un élément crucial de la mission de SpaceX. En partageant le parcours de développement du Photon Drive, Musk espère encourager la curiosité et l'excitation autour de l'exploration spatiale. Les initiatives éducatives destinées aux étudiants et aux jeunes professionnels joueront un rôle vital dans le développement des talents des futurs pionniers. Alors que nous contemplons l'avenir du Photon Drive, il est essentiel de se souvenir de l'esprit d'exploration qui a animé l'humanité tout au long de l'histoire. Des premiers jours de l'exploration maritime aux missions lunaires. Apollo,
la quête de connaissances et de découvertes a été un aspect déterminant de notre existence. En conclusion, le dévoilement du nouveau moteur à vitesse lumière de SpaceX, le Photon Drive, marque une avancée monumentale dans le domaine de l'exploration spatiale. En exploitant la puissance de la propulsion photonique et des technologies avancées, ce moteur a le potentiel de redéfinir notre compréhension des voyages à travers le cosmos. Bien que des défis demeurent, la promesse des voyages à vitesse lumière enflamme l'imagination et inspire une vision d'un avenir où l'humanité peut explorer les étoiles. Alors que nous nous tenons au bord de cette nouvelle frontière, embrassons le voyage qui nous attend, animé par la curiosité, l'innovation et le désir persistant d'atteindre l'inconnu. Le Photon Drive pourrait ouvrir des portes vers de nouveaux mondes, de nouvelles découvertes et de nouvelles possibilités. Alors que nous nous lançons dans cette aventure, nous nous rappelons que le ciel n'est pas la limite, c'est juste le début. L'univers nous attend, et avec le Photon Drive, l'humanité est prête à explorer son immensité comme jamais auparavant. À chaque étape franchie et chaque défi surmonté, nous nous rapprochons d'une réalité où les voyages interstellaires ne sont pas seulement un rêve, mais un objectif atteignable. Elon Musk et SpaceX mènent la charge, et l'avenir de l'exploration spatiale est plus lumineux que jamais. Les possibilités sont infinies, et le voyage n'a fait que commencer. Dans ce paysage en constante évolution de la technologie et de la découverte, une chose reste certaine. L'esprit humain d'exploration continuera de nous propulser en avant. Avec le Photon Drive, nous faisons des pas audacieux vers un avenir rempli d'aventures, de découvertes et du potentiel illimité du cosmos. Embarquons ensemble dans ce voyage, prêts à percer les secrets de l'univers et à découvrir ce qui se cache au-delà des étoiles. Le potentiel des voyages à vitesse lumière, implications pour l'exploration spatiale. Alors que nous explorons les implications du Photon Drive et son potentiel pour les voyages à vitesse lumière, il est essentiel de considérer comment de tels avancements pourraient redéfinir non seulement notre approche de l'exploration spatiale, mais aussi notre compréhension de la vie au-delà de la Terre. Avec la capacité de voyager vers des systèmes stellaires éloignés en une fraction du temps qu'il faut actuellement, l'univers deviendrait plus accessible que jamais. Élargir. Nos horizons, la recherche d'exoplanètes. L'une des perspectives les plus passionnantes du Photon Drive est sa capacité à améliorer considérablement notre recherche d'exoplanètes, des planètes situées en dehors de notre système solaire qui pourraient abriter la vie. Avec la technologie actuelle, le système stellaire connu le plus proche, Alpha Centauri, se trouve à plus de 4 années-lumière. Une mission utilisant des méthodes de propulsion traditionnelles prendrait des décennies, voire des siècles, pour atteindre cette destination. Cependant, avec le Photon Drive, ce temps de voyage pourrait potentiellement être réduit à seulement quelques années. Imaginez les implications de pouvoir visiter des exoplanètes au cours de la vie d'une génération. Les découvertes faites lors de telles missions pourraient redéfinir notre compréhension des systèmes planétaires, de l'astrobiologie et même des lois fondamentales de la physique. La capacité de recueillir des échantillons, d'analyser des atmosphères et de rechercher des biosignatures sur ces mondes lointains pourrait ouvrir des réponses à des questions qui ont fasciné l'humanité pendant des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Quelle forme de vie pourrait exister au-delà de la Terre? Colonisation et terraformage, l'avenir de l'installation humaine. L'avènement des voyages à vitesse lumière ouvre non seulement des portes à l'exploration, mais soulève également la perspective de la colonisation. Avec un voyage plus rapide, l'humanité pourrait établir des avant-postes sur d'autres planètes, créant une civilisation multiplanétaire. Cette idée a longtemps été défendue par Musk, qui envisage Mars comme un candidat principal pour l'installation humaine. En utilisant le Photon Drive, des missions vers Mars pourraient être menées avec une plus grande fréquence, permettant le transport non seulement d'astronautes, mais aussi d'équipements, de ressources et même de communautés entières. L'établissement d'une présence humaine sur Mars nécessiterait non seulement un transport, mais également une technologie pour soutenir la vie. Cela nous amène au sujet de la terraformation, modifier l'environnement d'une planète pour le rendre plus semblable à la Terre.
La terraformation de Mars présente des défis, mais les avancées technologiques pourraient la rendre réalisable. Avec des ressources suffisantes, transportées rapidement via le Photon Drive, des projets visant à réchauffer la planète, à créer une atmosphère respirable et à développer des sources d'eau pourraient devenir une réalité. Les connaissances acquises grâce à de tels efforts pourraient être appliquées à d'autres corps célestes, élargissant notre portée à travers le système solaire. Les considérations éthiques de la colonisation. Cependant, la perspective de la colonisation soulève des questions éthiques importantes. Alors que nous envisageons d'établir des colonies humaines sur d'autres planètes, nous devons considérer les conséquences potentielles de nos actions. L'éthique de la terraformation et de la colonisation nécessitera une délibération attentive pour garantir que nous n'imposions pas nos valeurs ou nos pratiques sur des mondes qui pourraient déjà accueillir des formes de vie, même s'il s'agit de micro-organismes. Les discussions autour de la protection planétaire seront cruciales. Comment explorons-nous d'autres planètes tout en préservant leurs écosystèmes? Quelle responsabilité avons-nous en tant que gardiens non seulement de notre planète, mais aussi d'autres corps célestes? Ces questions nécessiteront l'implication de scientifiques, d'éthiciens, de décideurs politiques et du public alors que nous naviguons dans les complexités de la colonisation interplanétaire. Retombées technologiques, des avantages au-delà des voyages spatiaux. Le développement du Photon Drive ne facilitera pas seulement les voyages spatiaux. Il pourrait également conduire à des avancées technologiques avec des applications à grande échelle sur Terre. La recherche et l'innovation générées par ce projet peuvent mener à des percées dans divers domaines, notamment l'énergie, les télécommunications et la science des matériaux. Par exemple, les matériaux développés pour le Photon Drive, conçus pour résister à des conditions extrêmes et fonctionner efficacement, pourraient avoir des applications significatives dans des industries telles que la construction, les transports et les énergies renouvelables. Les matériaux supraconducteurs avancés pourraient permettre des réseaux électriques plus efficaces, réduisant ainsi les pertes d'énergie et contribuant à un avenir plus durable. De plus, les technologies de navigation et d'intelligence artificielle en cours de développement pour le Photon Drive pourraient améliorer les systèmes autonomes dans divers secteurs. De l'amélioration de la logistique et de la gestion des chaînes d'approvisionnement à la création de villes intelligentes, les implications pour les applications terrestres sont immenses. Le rôle de la collaboration internationale. En regardant vers l'avenir de l'exploration spatiale et le potentiel des voyages à la vitesse de la lumière, la collaboration internationale sera primordiale. L'exploration spatiale a toujours bénéficié des efforts conjugués de scientifiques, d'ingénieurs et de gouvernements du monde entier. La quête de connaissances sur notre univers transcende les frontières et les défis auxquels nous sommes confrontés dans l'espace nécessitent une approche collective. Avec le Photon Drive, les nations peuvent se rassembler pour partager des ressources, des expertises et des connaissances. Des missions collaboratives vers des systèmes stellaires lointains pourraient devenir une réalité, favorisant un esprit d'unité et de coopération face à des défis communs. Cette collaboration peut également s'étendre au secteur privé, alors que des entreprises comme SpaceX travaillent aux côtés d'organisations gouvernementales et internationales pour repousser les limites de l'exploration spatiale. Engagement public et la prochaine génération de scientifiques. L'annonce de Musk a déjà suscité de l'enthousiasme parmi le public, et impliquer les futures générations dans l'exploration spatiale sera crucial. Des initiatives éducatives qui inspirent les jeunes esprits à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM, peuvent aider à créer une nouvelle vague d'innovateurs et d'explorateurs. Les efforts de sensibilisation de SpaceX, y compris les partenariats avec des institutions éducatives et des programmes de sensibilisation, seront essentiels pour développer les talents. En partageant l'histoire du développement du Photon Drive et les possibilités qu'il offre, nous pouvons éveiller la curiosité et encourager une passion pour l'exploration chez la prochaine génération. Surmonter les défis technologiques. Malgré l'enthousiasme suscité par le Photon Drive, il est essentiel de reconnaître les défis technologiques importants qui subsistent. Développer un moteur capable d'atteindre la vitesse de la lumière est une tâche colossale.
et il y a des obstacles à surmonter. L'un des principaux défis est la consommation d'énergie. Atteindre les niveaux d'énergie nécessaires pour les voyages à la vitesse de la lumière nécessite des solutions innovantes. Les technologies de propulsion actuelles reposent sur des réactions chimiques ou l'énergie nucléaire, qui présentent toutes deux des limitations. La recherche sur des sources d'énergie avancées, comme la fusion ou l'antimatière, pourrait être la clé pour surmonter ces obstacles. De plus, l'ingénierie du photon drive elle-même présente des défis. S'assurer que le moteur peut supporter les contraintes des voyages à grande vitesse, y compris les effets des radiations et des impacts de micrométéorites, nécessite des tests rigoureux et une validation. L'engagement de SpaceX en matière de sécurité et de tests approfondis sera essentiel à mesure qu'ils travailleront à perfectionner cette technologie. Implication. Théorique. Repenser la physique. En envisageant le potentiel des voyages à la vitesse de la lumière, nous devons également nous confronter à ses implications théoriques. Les lois fondamentales de la physique, telles qu'établies par la théorie de la relativité d'Einstein, stipulent qu'à mesure que les objets approchent de la vitesse de la lumière, leur masse augmente, nécessitant plus d'énergie pour continuer à accélérer. Cela crée un paradoxe. Pouvons-nous vraiment défier ces principes établis ? Musk et son équipe affirment qu'avec des innovations en ingénierie et des technologies avancées, ils peuvent atténuer ces effets. Le développement du photon drive pourrait conduire à une réévaluation de notre compréhension de la physique et de notre place dans l'univers. En explorant ces frontières, nous pourrions découvrir de nouvelles idées qui bouleverseraient nos paradigmes scientifiques. La recherche de vie extraterrestre. Le potentiel des voyages à la vitesse de la lumière ravive également la recherche de vie extraterrestre. En voyageant vers des systèmes stellaires lointains, nous pourrions trouver des mondes offrant des conditions favorables à la vie. La découverte d'exoplanètes dans la zone habitable, des régions autour des étoiles où des conditions pourraient permettre la présence d'eau liquide, ouvre des possibilités fascinantes. La capacité de visiter ces mondes grâce au photon drive ouvre de nouvelles voies d'exploration. Des missions pour collecter des échantillons, étudier les atmosphères et rechercher des signes de vie pourraient aboutir à des découvertes révolutionnaires. Cette recherche de vie au-delà de la Terre pourrait transformer notre compréhension de la biologie, de l'évolution et de l'univers lui-même. Se préparer à l'inconnu. Alors que nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale, nous devons également nous préparer à l'inconnu. L'immensité de l'espace présente des défis que nous ne pouvons pas encore prévoir. Avec chaque mission, nous devons être prêts à nous adapter, apprendre et réagir à des situations inattendues. La philosophie de SpaceX sur le développement itératif, construire, tester et affiner, sera essentielle alors que nous nous aventurons en territoire inexploré. Les leçons tirées de chaque mission guideront les futures initiatives, garantissant que nous restons résilients face aux défis. Conclusion. Embrasser l'avenir de l'exploration spatiale. En conclusion, la révélation du Photon Drive de SpaceX représente un bond monumental dans notre quête des voyages interstellaires. En explorant les possibilités des voyages à la vitesse de la lumière, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle frontière de l'exploration spatiale. Les implications de cette technologie vont bien au-delà de la simple propulsion. De la recherche d'exoplanètes au potentiel de colonisation, le Photon Drive ouvre la voie à un futur où l'humanité pourra explorer le cosmos et prospérer parmi les étoiles. Les défis à venir sont importants, mais avec l'innovation, la collaboration et un engagement envers l'exploration, nous pouvons les surmonter. En entreprenant ce voyage, rappelons-nous l'esprit de découverte qui a animé l'humanité pendant des siècles. L'univers est vaste et regorge de mystères qui n'attendent qu'à être dévoilés. Avec le Photon Drive, nous sommes prêts à explorer, découvrir et peut-être même rencontrer l'inconnu. L'avenir de l'exploration spatiale est plus prometteur que jamais et l'aventure ne fait que commencer. Embrassons l'inconnu et attendons avec impatience une nouvelle ère d'exploration, de découverte et du potentiel illimité du cosmos. Le Photon Drive n'est pas seulement un moteur,
C'est une lueur d'espoir, nous guidant vers un avenir rempli de possibilités, au-delà de nos rêves les plus fous. Ensemble, nous atteindrons les étoiles et percerons les secrets de l'univers.